لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، شيخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Parler du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous avons dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le Coran, dans les hadiths, sur ses noms divins. Et ceci toujours pour mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Plus on va connaître Allah subhanahu wa ta'ala, plus on va se rapprocher de lui. On aura plus d'espoir, en même temps plus de crainte et aussi plus d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'on arrive à un degré où lorsqu'on dit le nom Allah, notre cœur tremble. Comme c'est cité dans la sourate Al-Anfal, Wajilat Qulubuhum. C'est-à-dire lorsqu'on entend le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien dans ses 99 noms et plus, alors notre cœur doit trembler, doit penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a quelques jours, Al-Alim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est omniscient, il connaît tout. Et même ce matin, si on observe la pluie, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que chaque goutte d'eau est accompagnée d'un ange. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Alim là-dedans, il connaît combien gouttes d'eau tombent, quelle quantité, et chaque ange qui accompagne aussi cette goutte d'eau là. Nous avons vu aussi As-Sami' la dernière fois, qui est cité 45 fois dans le Coran, qui veut dire celui qui entend tout par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, qui comprend, qu'il accepte, qu'il répond à ce qu'on lui demande. Et on a donné cet exemple-là le jour de Arafat, où il y a environ 5 millions de personnes qui demandent dua à Allah subhanahu wa ta'ala, différentes demandes, différentes langues, et Allah subhanahu wa ta'ala, il entend tout, il comprend tout. Aujourd'hui, nous allons voir, incha'Allah, nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Basir. Lorsqu'on entend Al-Basir, on doit se dire, ça c'est un nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala, un nom de mon créateur. Alif, Alif Lam, Ba, Sad, Ya, Ra, Al-Basir. Al, c'est Al-Ta'rif en arabe. C'est-à-dire, ma'arifa, c'est-à-dire, c'est un nom qui est connu. Par exemple, on dit Baytoun, c'est une maison. Al-Baytou, c'est la maison. C'est bien précis. Donc, Al, c'est pour Al-Ta'rif. La racine, c'est Basara. Basara, Yubusiru. C'est-à-dire, voir. Mais pas le fait de voir avec un organe, par exemple, avec l'œil. C'est le fait de voir, de percevoir, de comprendre. Cité 42 fois dans le Coran, et il se trouve plus particulièrement à la fin des versets. Donc ceci se réfère à un nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exemple, surat al-Baqarah, deuxième surat du Coran, ayat 233, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, en parlant donc des règles de l'allaitement des enfants, « وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ » Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala observe ce que vous faites. Il faut qu'on sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala il observe tout ce qu'on fait. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle et nous informe de ceci. Dans troisième sourate du Coran, ayat 15, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé des fitna, des tentations, il dit قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ. Puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que toutes ces tentations-là? لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ. Pour les pieux, donc ils auront mieux que ça dans le paradis. Etc. d'écrire le paradis. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu basirum bil ibad. Allah est clairvoyant
sur ses serviteurs, bil ibad, pas dit bil muslimin, dit bil ibad, les serviteurs, abd, serviteur, ce n'est pas seulement celui qui reste dans la masjid, mais celui qui a iman. Mais le serviteur, c'est toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les créatures obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit le soleil qui se lève, il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, les yeux même qui regardent, les oreilles qui entendent, les cellules de notre corps, tout ça suit les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même l'animal, même le porc. Le porc, c'est cité dans le Coran. Il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a été créé pour manger et la saleté. Tous les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est clairvoyant sur tous ses serviteurs. Surat Mulk, tabarak al-lazi, surat 67, ayat 19, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? « Awalam yaraw ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbid, ma yumsikuhunna illa ar-Rahman, innahu bi kulli shay'in basir. » N'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d'eux, déployant et repliant leurs ailes tour à tour? Seul le tout miséricordieux les soutient, car il est sur toutes choses et les clairvoyants. Toir, on traduit par oiseau, mais si on regarde bien dans la langue arabe, c'est toutes choses qui s'envolent. Aujourd'hui, on peut dire ça un avion. Lorsqu'on regarde un avion qui s'envole, à un moment donné, on ne le voit plus, nous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Seul le tout miséricordieux les soutient. Soutient cet avion qui est dans les airs. Nous, notre œil est trop faible. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est le tout puissant. Ibn Jarir, un grand mufassir, c'est parmi les premiers qui a écrit le tafsir du Coran du début jusqu'à la fin. Depuis Al-Hamd jusqu'à Nas. C'est parmi les premiers. Lui, qu'est-ce qu'il dit? قال ابن جرير والله بصير بما يعملون يعني والله ذو إبصار بما يعملون. Allah a cette capacité de trouver, de percevoir ce que nous faisons. As-Sa'di, dans son tafsir, il dit aussi Al-Basir, الذي يبصر كل شيء وإن دقة. C'est-à-dire qu'il voit tout, il perçoit tout, même celui qui est infiniment petit, même les plus petits détails. Il cite le hadith que nous avons souvent entendu et qui vraiment illustre bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. « Fayubusiru dabib namla as-sawda fi laylati dhulma ala sakhrati samma » Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les pas, les traces ou les empreintes de la fourmi noire, puis il est dolma dans une nuit qui est très sombre, qui est très noire, alors sakhrat samma sur un rocher qui est noir, un rocher qui est tout noir. Il nous semble dans la nuit, parfois il fait très noir, même si on ne voit pas notre main aussi. Il y a une fourmi noire sur un rocher noir dans une nuit qui fait très noir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il voit? Les empreintes de cette fourmi-là. Subhanallah. Et nous, le matin qu'on nous lève pour nous voir fourmis, parfois on nous lève le matin, pour nous allumer la lumière. On dit, ah, l'orbi ramasse le sucre. On regarde tout ça fourmis là autour du sucre. C'est lorsqu'on allume la lumière, on voit les fourmis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, pas besoin de ça. Ensuite, il dit, وَيُبْسُرُ مَا تَحْتَ الْأَرْضِينَ السَّبْعَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit, il perçoit tout ce qu'il y a sous les sept terres. وَأَيْضًا مَا فَوْقَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ. Et qui est au-dessus, qui est dans les sept cieux et au-dessus donc des sept cieux. Que ce soit le poisson qui est au le fin fond des océans ou que l'ange qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de question de distance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, il nous faut soit le microscope, soit le télescope. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin. Il est al-basir. Il est le clairvoyant. Celui qui voit tout, celui qui perçoit tout, qui comprend toutes choses, que ce soit apparent ou caché. Rien dans l'existence ne peut lui échapper. Et ceci sans le moindre usage d'un organe, d'un œil, d'un instrument. Celui qui a l'intelligence de toutes choses, al-basir, c'est celui qui perçoit les moindres détails. Celui qui a donné à l'humanité l'œil externe du corps et l'œil interne
du cœur. L'effet sur notre iman, sur notre foi, c'est qu'on doit avoir cette certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout, et on ne doit pas se poser la question comment il voit, comme on l'a déjà cité plusieurs fois. Lorsque les prophètes, alayhi salam, ils ont averti leur peuple, de la surat Al-An'am, ayat 50, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit ? قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. Les prophètes, ils disent en ce sens que ils disent moi je ne détiens pas les trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne connais pas l'invisible, je ne suis pas un ange, je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit au prophète Sam de dire à ces gens là قل هل يستوي الأعمى والبصير والبصير أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. Est-ce que ce sont égaux, l'aveugle, ou bien celui qui voit? Ne vous réfléchissez donc pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il a cette qualité, cette perfection de voir, contrairement aux idoles. Les gens qui adoraient les idoles, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? أَلَهُمْ أَرُجُلُونَ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِي يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبُصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit avec les gens qui adorent les idoles, il dit est-ce qu'ils ont des jambes pour marcher? Est-ce qu'ils ont des mains pour frapper? Est-ce qu'ils ont des yeux pour observer? Est-ce qu'ils ont des oreilles pour entendre? Invoquer un eux. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala décrit en disant que ces idoles-là, ils n'ont rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc il voit tout. Dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il associe à Al-Basir, Khabirum Basir. Exemple, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. Dans Sourate Ash-Shura, Sourate 42, ayat 27, Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce sens que si Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait donné ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, il commettrait des abus sur terre. Mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. Il connaît parfaitement ses serviteurs et les clairvoyants. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est khabir. Ça, on verra plus tard. Khabir veut dire expert dans tel domaine. Souvent, en arabe, il est khabir là-dedans. C'est un expert là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala, il est expert en l'être humain. C'est lui qui nous a créés. Et il est basir, il voit tout. Mais comme il le connaît, il sait que si on va nous donner tout ce qu'on mérite tout d'un seul coup, on va tout dépenser. C'est par exemple, parfois à la maison, l'heure de iftar, ils ne mettent pas tout le gâteau comme ça. S'ils nous en mangent toutes, ils mettent un petit peu, après, quand ils sortent la salat, ils remettent un peu, et c'est pour que tout le monde. Allah nous dit comme ça, il nous donne petit, un petit peu, un petit peu. Yunazilu biqadarin ma yasha, il nous donne peu par peu, progressivement. Parce qu'il est khabir là-dedans, il est expert là-dedans, et il est basuir. Il voit ce qu'on fait. Maintenant, comment développer ça en nous, lorsqu'on va faire une action qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne va pas dire qu'un tel ou un tel nous a vus. Lorsqu'on va faire ce péché-là, soit on s'est enfermé dans la chambre, devant l'ordinateur, sur notre téléphone, ou bien on va payer quelque chose qui est haram, on se dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est basuir. Allah, il nous voit là. Qu'est-ce qu'on va faire là? Même si personne ne nous voit, même personne ne nous connaît, on part dans un tel pays où personne ne sait, on va commettre un péché, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous suit, il nous voit. Qu'est-ce qu'on va lui répondre le jour de Qiyam? Et pour mieux développer ça en soi, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le hadith connu, qu'on dit hadith Jibril. Lorsque Jibril alayhi wa sallam, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant que, de lui expliquer c'est quoi le ihsan. Ihsan c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques mots, il a tout expliqué. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. D'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le vois. كأنك تراه. Si on voit Allah subhanahu wa ta'ala, comment on a peur, mais si on voit vraiment devant nous. فإن لم تكن تراه, si tu ne peux pas le voir, mais si on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde, فإنه يراك. Mais lui il te voit. Lui il te voit. On connaît qu'il nous voit. Même si on ne peut pas le voir, mais nous, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit. Et la salat est là pour nous aider à mettre ça en pratique. Lorsqu'on fait sa salat, on a cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. On pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit à ce moment-là.
C'est pour cela, donc, quand on fait beaucoup de salat, on peut justement mieux contrôler son regard et aussi savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous observe. Lorsqu'on se réveille le matin, on se dit que Al-Basir, il nous voit. On dit Allah nous voit, mais on peut dire Al-Basir nous voit. Ça a plus de force. L'effort que j'ai produit ce matin pour se réveiller, il faisait un peu froid, avec la pluie tombe, on aime bien rester sous la couverture, mais il faut se réveiller le matin, faire wuzu, venir faire la salat, salat tout à hajjoud. C'est sûr que certain qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a vus, il va nous aider dans la journée. Sami'un basir, nous avons vu la dernière fois que c'est souvent lié avec Samir, nous avons vu la dernière fois qu'Allah il entend tout et il voit tout. Ayat que nous avons vu il y a deux jours, قد سمع الله قال الذي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. Lorsque cette femme est venue se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de son époux, Aïcha était dans la pièce juste à côté, n'a rien vu, rien entendu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de cette chose, c'est ce qu'il dit, سميع بصير. J'ai entendu tout ce qu'elle a dit et j'ai vu aussi tout ce qu'elle a fait aussi. ذلك بأن الله dans la sourate Al-Hajj ayat 61 ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. C'est Allah subhanahu qui fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Allah ici est le audient et le clairvoyant. Pourquoi Allah subhanahu ici il parle de la nuit et le jour, après il dit que il voit tout, il connaît tout, il entend tout? Parce que tout ce qu'on prépare dans la journée pour faire le péché durant la nuit, ben il voit ça. Et tout ce qu'on fait dans la nuit ici, Allah subhanahu il nous voit. Il entend tout, il connaît tout. Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahida. Dans la sourate Luqman, ayat 28, Allah subhanahu qu'est-ce qu'il dit? Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahida. Inna Allaha sami'un basir. Votre création et votre résurrection à tous sont aussi faciles à Allah subhanahu wa ta'ala que s'il s'agissait d'une seule âme. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu qu'est-ce qu'il fait là? Tous les milliards et les milliards de personnes, pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il y a une seule personne, une seule âme. C'est comme si une seule chose, c'est rien du tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il nous voit. À nous d'avoir à notre esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit. C'est comme si que, en ce moment, donc, avant il n'y avait pas, mais maintenant il y en a beaucoup de caméras partout. Si on est sur la route, et on sait qu'il y a un radar devant une caméra, 110 si on dépasse, si flash à où? On va ralentir, on ne va pas gagner 45-90 € pour payer à chaque fois, 150 €. On sait que le radar nous voit, donc on ralentit. S'il y a des milliers de caméras dans la ville et tout, on sait qu'ici il y a telle caméra, on nous surveille, là on nous surveille. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit à chaque instant, c'est comme s'il y a une caméra sur nous. Il nous voit à chaque instant, mais comment? On doit être prudent, on doit toujours être prudent. Doua de Moussa alayhi salam, qu'il disait « Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli » Au milieu du verset, qu'est-ce qu'il dit? « Innaka kunta bina basira » Certainement, toi, Allah subhanahu wa ta'ala, tu nous vois, de Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam. Et on termine par ce dua. Le prophète nous a appris ce dua. « Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura » etc., etc. Ce dua qu'on a souvent entendu, qu'Allah subhanahu qu'il place, qu'il met sa lumière de miséricorde dans notre cœur, la lumière de sa miséricorde dans notre vue, dans notre oreille, etc. Donc on lit ce dua là tout le temps, et inshallah Allah subhanahu wa ta'ala va pénétrer en nous dans cette lumière, et on pourra mieux comprendre les noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala me permet à moi-même, en premier, de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique et de propager aux absents. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Allahu Allahu Allah. Allahu 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 Allah. Allahu, Allahu, Allahu.